Bien, bonjour bonsoir salut à toutes et à tous ici Rager on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et c'est un vlog un peu spécial parce que ça mélange un peu de tuto. aujourd'hui on va parler du monomite alors dans beaucoup de, de, de mes vidéos précédentes j'ai un peu utilisé le monomite et du coup c'est quoi le monomite alors le monomite a été soulevé par quelqu'un qui expliquait que tous les récits de l'antiquité suivaient le même schéma narratif le monomite c'est un schéma narratif ce qui est surtout intéressant de noter avec le monomythe, c'est que lorsqu'on regarde la structure, lorsqu'on se renseigne, on se rend compte qu'en vérité, il y a beaucoup d'histoires modernes, il y a beaucoup de films, de séries, de mangas, d'animes, de, de BD, de comics qui vont suivre ce schéma narratif. Il faut quand même noter un truc, c'est que suivre le schéma narratif du monomythe, ça veut pas spécialement dire que qu'on n'a pas d'imagination. Parce qu'en fait, le monomythe, ça va surtout donner un schéma narratif pour amener les événements. Ça veut pas dire que c'est un schéma narratif, euh, c'est un tuto, euh, c'est c'est un guide pour créer un univers, créer des dialogues. Créer le lien entre les personnages, créer les infrastructures, les organisations, euh, l'origine des pouvoirs, euh, l'origine story de chaque méchant. Mais par contre, en suivant le monomythe, on va apprendre petit à petit à amener les événements. C'est-à-dire que si vous avez une idée d'univers, que vous avez euh, des idées de personnages, mais que vous avez du mal à structurer votre histoire, suivre la ligne du monomythe peut être intéressant pour vous, dans le sens où vous allez du coup amener plus facilement les événements. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux 12 points du monomythe, puis ensuite, la vidéo va être un peu longue, je vous préviens, puis ensuite, on va essayer de voir ensemble comment est-ce que quelqu'un qui aurait une idée d'histoire pourrait structurer, s'organiser, pourrait se structurer et s'organiser pour justement écrire cette histoire. Allez, c'est parti avec le premier point du plan du monomythe. Alors, le premier point, c'est le quotidien. Alors, en fait, le monomythe est séparé en deux catégories. Il y a la partie du monde ordinaire, entre guillemets, et du monde extraordinaire aussi entre guillemets parce que si on modernise tout ça euh, très sincère, des fois les œuvres commencent déjà dans un monde extraordinaire bref alors le début c'est le quotidien du héros c'est-à-dire sa vie euh, c'est normal qu'est-ce qu'il fait comment il s'occupe euh, quel est son but quel est son objectif euh, est-ce qu'il travaille est-ce qu'il travaille pas est-ce qu'il a une copine est-ce qu'il a pas de copine est-ce qu'il a des potes est-ce qu'il a pas de potes c'est le quotidien du héros c'est le quotidien du héros. Ensuite, ce quotidien, c'est un peu comme le schéma qu'on apprend à l'école, hein, en vérité. Hein. Mais c'est plus complexe. Le, le schéma de l'école, il y a 6 points, là, il y en a 12. Ensuite, euh, ce quotidien va venir être bouleversé par un appel de l'aventure. Donc, l'appel de l'aventure, qu'est-ce que c'est exactement bah, C'est en gros euh, les... ce qui pourrait pousser le héros à quitter son quotidien en fait que ce soit par force ou que ce soit par rêve en fait c'est à dire que ce, un jour du jour au lendemain il décide enfin l'aventure vient à se toquer à sa porte et l'appelle parfois et ça des fois c'est pas trop noté dans dans certaines œuvres parfois c'est suivi par le troisième point qui est le refus de l'appel à l'aventure c'est à dire que le héros ne veut pas quitter son quotidien le héros a plusieurs raisons bah, je sais pas moi sa famille sa famille sa peur sa crainte euh, le fait qu'ils ne se sentent pas à la hauteur enfin il y a plein de raisons qui peuvent pousser le héros à dire que non je ne peux pas partir à l'aventure et justement pour ce suite à ce refus de l'appel à l'aventure le quatrième point c'est justement l'apparition d'un guide quelqu'un qui va venir lui dire non mais tu es l'élu non mais euh, il n'y a que toi qui peux amener l'anneau au volcan non mais euh, tes parents étaient des sorciers non mais euh, ta sœur a été choisie pour les hunger games et tu dois accepter d'y aller voilà, il y a beaucoup d'histoires qui ont, euh, qui en fait les histoires vont à, à chaque fois un peu modifier la, 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 on va dire l'apparence. C'est un peu comme une sorte de pâte à modeler, euh, une pâte à modeler que chacun va venir en fait euh, façonner à sa manière. Et ça fait que du coup, euh, le guide en général, c'est justement euh, euh, un aîné. Ou un, un ancien sage, c'est Gandalf ou Agreed euh, ou, euh, euh, ou euh, j'ai oublié le mec là qui entraîne les, euh, les mecs dans Hunger Games, ou euh, Riley, ou, euh, ou euh, Tortue Géniale, ou euh, Jiraya ou euh, Kakashi au début. Il euh, y a toujours quelqu'un qui va venir en fait guider le héros, justement pour le rendre plus fort et, en, et pour lui faire prendre conscience il a ce qu'il faut pour partir à l'aventure ou alors qu'il n'a vraiment pas le choix s'il veut sauver euh, l'humanité. En tout cas, il y a toujours un personnage qui va être tout simplement le guide vers un monde tout simplement extraordinaire. Et lorsque le héros décide de partir à l'aventure et de faire face à l'inconnu du monde, c'est le début de l'aventure. Il finit par accepter de partir à l'aventure s'il était déjà... Euh, et s'il était déjà chaud pour y aller, il, il, il franchit le, le cap qui lui permet de partir à l'aventure. Et donc, de là, commencent et vont suivre les péripéties, tout simplement, les, euh, les événements, les aventures, les combats, les quêtes, euh, et la rencontre des alliés et des ennemis. Ensuite, euh, alors là, le septième point, avec des, des œuvres longues, un peu comme One Piece, Naruto, ou, euh, ou même Bleach, Fairy Tail. Dragon Ball Z, c'est tout simplement euh, l'accès au lieu final de la quête. C'est-à-dire, après avoir vécu une, deux, trois péripéties, il finit par atteindre la péripétie ultime, la dernière aventure, celle où il va affronter le méchant final, le boss de fin, l'antagoniste. Alors, il est intéressant de noter que pour les animes longs, en vérité, c'est à chaque fois des mini-monomites. Un arc est un, 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 un mini-monomite. C'est-à-dire, One Piece, je vais prendre par exemple euh, l'arc, euh, alors un arc que j'ai bien en tête, euh, l'arc, euh, on va prendre euh, on va prendre parce que je voulais le faire avec celui-là l'arc de Baggy là où il affronte Baggy au début au village euh, ah j'ai oublié comment s'appelle ce village honte à moi bref on s'en fout euh, il va rencontrer euh, il va rencontrer du coup euh, il va, il va d'abord faire face une première fois à Baggy donc c'est une péripétie ensuite il va rencontrer Nami, rencontre des alliés c'est aussi une péripétie ensuite il va rencontrer le maire qui va être un peu le guide qui va lui expliquer euh, que voilà Baggy est arrivé il a foutu le bordel on s'est tous échappés en dehors de la ville puis ensuite il va aller faire face à l'affrontement final contre Baggy pour récupérer la carte euh, la carte vers Grand Line, donc l'objet de la quête. Et, euh, et après le combat, il va gagner et il va partir. Et c'est la fin du mini monomite jusqu'au début du suivant monomite qui est euh, l'arc contre Kuro. Et, euh, et du coup, voilà, ça se répète à chaque fois. Mais comme je le dis, c'est pas un manque d'imagination, c'est juste une structure universelle. Que, au fond, même quelqu'un qui va s'efforcer de ne pas suivre le monomythe va forcément finir, même si c'est dans le désordre, par mettre les points du monomythe, parce que c'est tout, euh, tout simplement comme ça. Le monomythe, c'est en, en fait un schéma, euh, un schéma narratif qui euh, amène les événements, mais après, ça amène pas les dialogues, les pouvoirs, les quêtes, les méchants, leur origine, leur objectif, l'objectif du héros, l'objectif de ses potes. Ça amène pas tout ça, mais par contre, ça suit voilà un schéma narratif d'événements. Donc, euh, une fois qu'il a accédé au lieu final, là où euh, à la résidence du méchant, euh, le, le donjon, euh, le donjon final, il va du coup faire face à l'épreuve finale qui peut dans un anime être un combat ou qui parfois peut-être, par exemple, comme dans Indiana Jones, qui va être euh, le, la, le chemin à parcourir pour aller récupérer le saint Graal. Une fois que l'épreuve finale est remportée ou perdue, il y a l'acquisition de l'objet de la quête ou la perte de l'objet de la quête, mais dans le monomythe, c'est le gentil qui gagne, donc c'est acquisition de l'objet de la quête réussite du but et du coup, le monde extraordinaire c'est fini et on retourne au monde ordinaire. Donc chemin du retour, c'est-à-dire que le héros retourne là d'où il vient. Euh, donc là, j'ai pas trop de trucs à dire parce que c'est en fait c'est le début de l'épilogue tout simplement. Prise de conscience, renaissance. Euh, c'est à dire que voilà, il a compris que oui, euh, l'anneau en fait il m'a rendu méchant. Heureusement que j'avais mon pote pour m'aider. Euh, après, déjà, je vous ment pas que j'ai pas de, de, de scénario en tête euh, pour expliquer un peu euh, c'est quoi la prise de conscience, mais en gros, c'est euh, je crois qu'on a tous appris quelque chose aujourd'hui. Je crois qu'on a tous appris euh, euh, quand, euh, quelque chose aujourd'hui. J'ai compris euh, qu'en fait euh, le méchant il, il était vraiment méchant. Enfin, on n'en sait rien, mais c'est prise de conscience, renaissance. Euh, comment dire il comprend enfin que voilà il avait tort depuis le début il s'était trompé sur un tel enfin bref voilà c'est la prise de conscience et ensuite le 12 c'est le retour à son quotidien le retour d'où il vient avec l'objet de la quête. Alors, à noter que l'objet de la quête, c'est pas spécialement le Saint Graal, une baguette magique, euh, les Excalibur. Non. L'objet de la quête, c'est. Euh, ça peut aussi être une idée. Genre, il a fini par battre le méchant, il retourne chez lui après avoir battu le méchant. Et donc, euh, c'est retour avec l'objet de la quête. Maintenant, je suis de retour, j'ai battu le méchant, j'ai détruit l'anneau, j'ai euh, atteint mon objectif. Voilà. Et c'est tout simplement. Euh, les douze structures du monomite. Donc je résume, on a le quotidien, on a, euh, alors en premier, on a le quotidien, en deuxième, l'appel à l'aventure, troisième, le refus de l'appel, quatrième, rencontre du guide, du sensei, du maître, cinquième, début de l'aventure, sixième, péripétie, rencontre des alliés et des ennemis, septième, accès au lieu final, accès à la caverne, il y avait marqué ça, euh, huitième, épreuve finale, neuvième, acquisition de l'objet de la quête, réussite du but, dixième, chemin de retour, onzième, prise de conscience, renaissance du héros, douzième retour avec l'objet de la quête après avoir accompli son objectif voilà donc avec ça en fait vous avez je, 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 je pense que j'aurais mis une, au début une image vous tapez monomite sur Google euh, image et vous allez tomber sur euh, plein de, 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 de cercles qui expliquent en gros le, le monomite et si c'est en cercle c'est tout simplement comme j'expliquais euh, par exemple avec One Piece, Dragon Ball Z, Naruto c'est que au fond euh, chaque arc en fait ça va être un monomite qui va recommencer avec des nouveaux méchants, des nouveaux alliés et euh, c'est pas, pas que ça tourne en rond c'est que c'est tout simplement voilà c'est comment amener les événements en vérité le, le monomite en fait c'est ça qui est un peu, qui peut, à la, un peu blasé. C'est moi à l'époque quand, quand j'avais quand fait la comparaison avec toutes mes œuvres et que j'avais trouvé tous les points, les 12 points du monomite euh, dans chacune des histoires que je trouvais originales, j'étais en mode mais, mais en fait c'est vrai. C'est un peu comme se dire qu'il y a tout le temps un sensei dans les mangas, euh, quelqu'un qui va euh, ou un aîné, quelqu'un qui va guider les héros, qui va être un peu le, le, le chef de l'équipe. Euh, ensuite il y a il y a toujours euh, les rivaux, il y a toujours enfin il y a toujours plein de trucs très souvent des ressemblances entre les œuvres et parfois lorsqu'une œuvre sort un peu du lot on va lui attribuer euh, je veux dire de l'originalité de ouf et par exemple euh, Game of Thrones il euh, y a un peu tout ça dans il le... y a un peu tous ces points du monomite peu importe euh, qu'on prend quelle partie de, euh, de la série et c'est un peu blasant de se dire ouais mais en fait ils sont pas si originels que ça mais justement si on prend du recul c'est qu'au fond le monomythe, euh, quand, quand je dis qu'il amène les événements, c'est qu'au fond, c'est un peu comme ça une aventure en vérité. C'est D'abord, tu es dans ta situation de base. Ensuite, il y a un événement qui se passe qui va t'amener à aller vivre une aventure. Euh, au début, tu vas, tu vas soit cache-accepter, soit, soit refuser parce que tu auras peur. Euh, non, il ne faut pas sortir euh, de la caverne parce que les zombies vont nous bouffer. Mais après, tu seras obligé quand même d'y aller parce qu'il y a quelque chose qui va te pousser. Tu vas rencontrer euh, un personnage, un guide, un sensei, quelqu'un qui connaît ce monde vers lequel tu vas, qui va du coup un peu te guider. Ou sinon, tu vas être solitaire, bah, on peut supprimer. Parce qu'après, ce qui est bien avec le. Attends, on va continuer. Ensuite, du coup, tu vas aller vivre ton aventure, tu vas vivre tes péripéties, tu vas accéder euh, au lieu final pour avoir ta quête, tu vas passer une épreuve finale, c'est-à-dire un dernier affrontement ou, un, ou une dernière euh, une situation où tu dois survivre. Tu vas récupérer l'objet de ta quête ou te rendre compte que tu ne peux pas récupérer l'objet de ta quête. Du coup, tu vas revenir là d'où tu viens, tu vas prendre conscience de tes limites, de je ne sais pas trop quoi, pour ensuite revenir au début et ensuite recommencer. Une nouvelle aventure. Et en fait, la vie, c'est un peu le monomythe. Enfin, le monomythe, c'est aussi un peu, je veux dire, un schéma de, de la vie. Euh, si on prend le quotidien, tu te réveilles le matin, euh, tu es chez toi. Tu sors, tu vas travailler. Euh, pendant ton travail, il t'arrive des trucs. Tu rencontres des gens, tu rencontres des clients, tu rencontres euh, tes, des collègues que tu n'as pas l'habitude de voir. Euh, tu vas faire ton travail. Euh, tu vas, euh, tu vas euh, du coup, terminer ton travail. Tu vas rentrer chez toi en ayant euh, en t'étant rendu compte que, ah peut-être que tu as été un peu méchant, ou peut-être que tu as mal fait cette vente, ou peut-être que si. Tu vas revenir chez toi, tu vas prendre conscience. Et ensuite, tu vas retourner avec l'objet de la quête. Tu auras vécu une journée. Tu auras vécu une journée. Tu auras vécu au fond, c'est comme ça. Hein. Tu auras vécu une journée qui t'aura appris des trucs. Et le lendemain, tu vas recommencer une nouvelle journée où tu vas prendre de nouveaux trucs et tu vas refaire un cycle du monomythe. Par contre, euh, comment est-ce que ça permet de s'organiser pour créer une histoire Alors, euh, je pense que en, en 2020, euh, on est dans l'ère du divertissement, dans le sens où il y a un peu tout le monde qui a envie de créer sa série, qui a des idées de films, qui a des idées de concepts. Je pense que c'est un peu propre à l'homme d'avoir un peu de, de, de l'imagination et de se dire euh, que voilà, ça pourrait être bien une histoire comme ci, ça pourrait être bien une histoire comme ça. On a tous un peu nos idées, mais par contre. Parfois, c'est compliqué de les mettre sur papier, de les coucher sur papier, de commencer le projet et aussi de le concrétiser. Parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des limites. Par exemple, tu veux faire un manga, mais tu ne sais pas dessiner. Tu veux écrire un livre, mais tu ne sais pas faire de belles formulations de phrases. Tu veux faire un film, mais tu ne sais pas utiliser une caméra, un micro-perche euh, et faire du montage avec le logiciel. Et justement, euh, comment. Euh, je pense que la création d'un scénario, c'est un peu, on va dire, le, un diamant brut. C'est-à-dire que euh, es, ton esprit. Est une, est une mine de diamants dans laquelle tu vas collecter les petites pierres, mais tu vas pas avoir des pierres polies, belles, déjà des bagues, des bijoux, des colliers, euh, des chevalières. Tu vas avoir des pierres brutes que tu vas devoir polir pour pouvoir tout simplement euh, proposer un magnifique bijou. Et du coup, moi je pense très sincèrement, c'est comme ça que je procède pour mes œuvres, euh, je pense très sincèrement qui a quand même... Euh, alors, le monomythe, ça tête pour les événements, mais ensuite, comment t'organiser, comment te structurer pour créer ton histoire bah, Je vais tout simplement vous dire comment est-ce que moi, j'ai fait. Et c'est euh, des tutos que j'ai vus sur Internet à l'époque quand j'avais envie de commencer. C des, c est, c est, ça ne vient pas de tout de moi, mais le, le, le final, c'est un peu ma manière de procéder. Alors, la première étape, alors, c'est un peu con, mais il faut visualiser son histoire, en fait. Il faut, faut la visualiser. C'est-à-dire, on a une idée d'univers, on a une idée de, de je ne sais pas quoi, euh, peu importe. faut déjà visualiser... Un peu l'univers que tu veux créer. C'est-à-dire, voilà, je veux que ça se passe dans un monde médiéval, je veux que ça se passe dans un monde de, euh, de science-fiction, je veux que ça se passe dans un monde moderne, je veux que, ça se, que ce soit réaliste, je veux que ce soit surréaliste, je veux qu'il qu y ait des voyages dans le temps. Enfin bref, faut déjà visualiser son histoire, potentiellement les petits événements, les petites aventures, les petites péripéties, les protagonistes, les antagonistes, euh, les armes, enfin bref, les, les outils. faut un peu visualiser son histoire. De là, ce que je vous, peux vous conseiller de faire, c'est de faire un brainstorming. Alors, si vous êtes seul à, à travailler sur le projet, il suffit juste de noter toutes vos idées sur une feuille. Euh, c'est simple. Oh, le méchant est un assassin. Hop, je note le méchant est un assassin. Euh, L'autre, c'est un assassin qui est en vain un soldat de guerre. Un soldat de guerre. Ok, euh, un enfant, un enfant soldat. Ok, je note que c'est un assassin. Avant, c'était un enfant soldat. Le héros est un orphelin. Le héros, euh, le héros a un père, mais la mère, on ne sait pas où elle est. Enfin bref, tu notes toutes petites, toutes tes idées. Et en gros, tu fais un brainstorming. Si vous êtes plusieurs, vous notez les idées de tout le monde. Un petit brainstorming avec une feuille où il y aura toutes les idées de, de, des événements, des personnages qui seront notés. Ensuite, le mieux pour visualiser ce qui est le dialogue, les événements et tout ça, c'est de faire tout simplement des listes personnages, c'est-à-dire de lister les personnages. Même si c'est, en fait, il y a deux moyens de le faire. Il y a lister les personnages, basiquement, nom, euh, enfin prénom, âge, affiliation. Pouvoir, si vous faites un, un manga ou arme ou euh, travail, enfin bref, de, de, de faire un minimum d'informations. Euh, même si y a le personnage n'a pas de prénom, lui donner un nom de code pour le moment, genre euh, antagoniste, euh, grand méchant final, euh, bras droit du méchant, euh, pouvoir, euh, capacité, but, voilà. Puis ensuite il y a la version plus détaillée qu'on appelle une fiche personnage, où vous pouvez mettre des points, les développer, et je vais vous donner du coup les points que moi je mets lorsque je fais une fiche personnage. Donc il y a l'état civil où je mets le nom, l'âge, la date de naissance, la race et euh, la, la, le type de. Ah, J'ai failli spoiler ma propre œuvre et le, le, le type de capacité. Ensuite, je mets le statut social. Alors moi j'appelle ça statut social dans le sens où je mets ce qu'il a, les, les objets qu'il a qui lui appartiennent, c'est-à-dire les maisons et compagnie. Je, je mets la famille, c'est son lien avec la famille. Je mets son, euh, ses, ses, ses relations amoureuses. Je mets euh, son, le, le, le groupe auquel il appartient. Et, euh, et voilà. Ensuite, je fais une description physique. Alors, je mets la silhouette. C'est-à-dire euh, grand, petit, euh, mince, gros, euh, peu importe. Le visage. La, les manières et les tics. C'est-à-dire euh, euh, ce qu'il aime faire et, et des, des trucs qu'il a l'habitude de faire. Euh, comment il s'habille. Et c'est tout. Ensuite, je mets la personnalité. Donc, les qualités, les défauts, le caractère, les compétences. Donc les points forts et les difficultés, là où il a du mal. Ensuite, je mets ce que j'ai appelé la philosophie, parce que y a, y a, je crois il y a des croyances, y a, enfin y a, non, la, la philosophie, je sais plus trop d'où est-ce que ça vient, ça fait longtemps que j'avais noté ça, mais en gros, je mets c'est pourquoi, lui pour lui, quel est le, le sens de la vie, quelles sont ses ambitions, quelles sont ses valeurs et ce qu'il déteste. Ensuite, je mets les croyances, ensuite, je mets les relations avec les autres personnages, les autres personnages que j'ai imaginés, donc euh, amis, famille, amour, collègues. Donc, euh, j'ai je, 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 ah, traité, euh, j'ai répété Amour, mais bon, bref. Et ensuite, je fais le background, c'est-à-dire sa naissance, l'histoire de son enfance, euh, l'histoire euh, quand il est un peu plus vieux, l'histoire euh, quand il est encore un peu plus vieux, l'histoire quand il est adulte, avant le début de l'histoire. Et ensuite, je mets les événements marquants. Et par où, où est-ce qu'il est passé avant d'arriver dans l'histoire. Et du coup, ensuite... Lorsque je suis motivé pour le personnage, je fais l'évolution dans l'histoire, dans le sens où, OK, il est dans mon histoire, mais qu'est-ce qu'il va faire dans mon histoire Voilà, voilà. Une fois que vous avez listé vos personnages, que vous avez fait des fiches personnelles ou pas, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est faire un plan de l'histoire. Et du coup, prendre le monomythe pour choisir quand est-ce que vont arriver les événements que vous avez imaginés. Le monomythe, ce qui est bien, c'est que vous pouvez un peu le tordre, hein, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire euh, son quotidien, appel à l'aventure, refus de l'appel. Hein. Vous pouvez déjà sauter le refus de l'appel et dire, oui, il accepte qu'à, je dis, allez. Mais par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est rencontre du guide, appel à l'aventure, péripétie, euh, acquisition de l'objet de la quête, euh, nouvelle péripétie, le méchant veut l'affronter pour récupérer l'objet de sa quête. Enfin, vous pouvez un peu tordre tout tout, comme vous voulez monomite, mais après au fond je vous mens pas que vous allez finalement finir par arriver à une structure proche du monomite. Hein. Si votre histoire en fait c'est quoi dire, mais si votre histoire est bien écrite, qu'elle est logique euh, et qu'elle est euh, et même si et qu'elle est originale, même si elle est originale, le monomite sera répété, bah, parce que du coup le monomite c'est le schéma universel euh, des, des événements qui arrivent au quotidien, appelle à l'aventure. Mais vous pouvez par exemple pour conceptualiser une histoire parce que c'était la remarque que je m'étais faite à l'époque. Dans euh, toutes les grandes séries de manga, il y a toujours un sensei qui va entraîner le héros au bout d'un moment. Et du coup, moi je m'étais dit, et ça pourrait être intéressant, de faire une histoire qui parle du sensei. Non pas euh, comment le sensei est devenu un sensei, mais comment le sensei fait son travail de sensei avec plein d'élèves. Voilà, c'était euh, un, une, une petite idée, c'est-à-dire en gros le mec, euh, le mec, euh, il a, enfin, j'ai pas trop envie d'en parler parce que j'espère un jour écrire le livre. même si là, je suis du coup euh, sur le projet Archange. Mais en gros, j'ai, euh, je me suis inspiré du, du monomythe dans le sens où euh, l'histoire ne va pas se concentrer sur euh, les héros et les protagonistes et les antagonistes, mais sur le guide, sur le sensei. Voilà. Une fois que vous avez fait votre plan d'histoire, inspiré du monomite ou pas, si vous vous sentez de le faire sans vous inspirer du monomythe, libre à vous. N'ayez pas peur tout simplement d'écrire. En fait, il faut faire des brouillons, en fait. C'est con à dire, mais euh, des storyboards ou des brouillons. Alors, il y, y a deux façons. Si vous, si vous voulez faire un projet manga ou un projet BD, le mieux ce sera de faire des storyboards. Hein. C'est-à-dire, vous, vous, vous prenez une feuille blanche, vous faites les cas, les, les, les bulles, les, enfin, les, c'est pas les bulles, les cadres et les bulles. Les cadres, vous faites un croquis, vous faites les bulles. Ou sinon, vous pouvez scénariser l'histoire comme, euh, comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire mettre le nom de, du personnage qui parle. Deux points, entre parenthèses, il est debout en train de boire un café. Fin de la parenthèse, oui, bonjour, ce café est bon, c'est ma grand-mère qui l'a fait. Euh, voilà. Hein, c'est Donc, il y a, y a plusieurs façons de. Des, de coucher sur papier, on va dire, un projet, mais il faut le coucher sur papier parce que euh, moi je parle par expérience. Euh, moi j'ai beaucoup d'histoires que j'ai laissé mijoter en fait pendant très longtemps. Alors c'est à, à la fois un mal pour un bien. Le mal c'est que du coup, ces histoires elles, elles, elles sont que dans ma tête, mais le bien c'est que il y en a beaucoup qui ont changé de structure. À part du coup, Archange qui est celui que j'ai choisi, mais même Archange, je, je commence à rajouter des événements et à apporter des modifications sur. Euh, sur sur deux trois petits détails, mais euh, dans le sens où, euh, si à l'époque je les avais vraiment couchés sur papier sans me soucier euh, en fait du partage et même euh, de la qualité de l'œuvre, elles seraient déjà couchées sur papier. J'aurais déjà fini un projet et tout ce qui me resterait à faire, c'est à le distribuer. Mais de l'autre côté, le bien, c'est que du coup l'histoire a évolué, les personnages ont évolué, le but, les objectifs, les aventures, les péripéties ont évolué. Et euh, du coup, c'est à la fois bien euh, de, de, de réfléchir à son histoire. Euh, dans le sens parce qu'elle peut, elle peut que s'améliorer, que avoir plus de détails, que avoir plus de personnages, mais le problème c'est on risque de ne jamais l'écrire et ça restera toujours un, un, rêve, un, un rêve inaccessible si on ne commence pas à coucher sur papier, parce que le truc qui est bien avec un brouillon, c'est que c'est un brouillon et que si quand tu te relis tu veux le modifier, tu peux le modifier. Donc n'ayez pas peur de coucher sur papier, soit en écrivant... Les, les lignes de dialogue et euh, comme, comme une pièce de théâtre. Je vous, je vous invite à regarder tout simplement les, comment c'est structuré les pièces de théâtre. Mais en gros, les pièces de théâtre, c'est nom du personnage, deux points, dialogue. S'il si fait un truc entre parenthèses puis en italique, il fait ci, il fait ça. Donc euh, c'est pas censé être lu, hein. enfin c'est pas censé être dit, mais c'est là pour te, te faire visualiser ce qu'il fait. Dialogue, et ensuite, euh, et ensuite en dessous, euh, qui répond et comment il répond. Voilà. Ou sinon, faire des storyboards. C'est-à-dire que vous prenez, euh, vous prenez une feuille euh, et vous euh, la, la structurez comme une page de BD ou comme une page de manga et vous remplissez les cases avec les bulles de dialogue. Donc euh, je pense que je vais vous partager euh, en appui euh, le storyboard que j'ai fait, euh, fait juste euh, pour euh, me remettre à faire des storyboards. Mais comme j'ai plus de projets de manga et que c'est que des projets de livres, le storyboard, en fait, c'est un truc un peu à part qui est là. En fait, c'est euh, là parce qu'au début, je pensais faire la, les réflexions de Riger. En, en court métrage mais j'ai pas j'ai pas le, le, le réseau de connaissances et le matériel pour le faire alors du coup storyboard c'est un projet un peu à part dans le sens où je, je, je fais des storyboards histoire de faire des storyboards parce que je regrette d'avoir euh, que, que mes storyboards passaient sur mon manga et euh, sur mon potentiel manga qui est devenu un livre est disparu, et, euh, et je regrette aussi de pas avoir fini euh, les storyboards et de pas les avoir continués. Donc, c'est un peu une revanche sur la vie de me dire que je recommence un nouveau storyboard histoire de, de me dire que j'aurais pu le faire. Voilà. Euh, ensuite, vu que ce sera un brouillon, que ce sera un storyboard ou un brouillon de, de scénario, relisez-vous. Et faites les modifications qui s'apportent. En fait, le mieux, c'est d'écrire sans trop réfléchir, de faire sans trop réfléchir. Et une fois qu'on est fini, qu'on a posé et qu'on a l'esprit critique qui se réveille, parce qu'il il y a le flot d'inspiration qui te permet d'écrire. Puis ensuite, tu as ton esprit critique qui est parfois abusé. Alors, avec moi, c'est ultra abusé. Je vous mens pas. Mon esprit critique, il a tendance à me dire que c'est nul. Tu vois, c'est nul, c'est mal fait, c'est pas bien dessiné, c'est pas bien expliqué, c'est pas bien ci, c'est pas bien ça. Et j'essaie un peu d'en faire abstraction parce que si je l'écoute, je fais rien. Si je l'écoute, je fais rien. Mais c'est quand même intéressant de se relire, d'apporter des petites modifications et peut-être même de rajouter des événements ou même de faire du coupage et de supprimer des événements. Voilà, et une fois que vous avez terminé tout ça, une fois que vous avez votre scénario propre, parce que vous êtes re, en vous relisant, vous le mettez au propre après derrière. Voilà, c'est on va dire l'étape suivante après s'être relu avoir, et avoir apporté les modifications, c'est du coup le refaire au propre. Donc si c'est un storyboard et que vous savez dessiner, bah vous faites des vrais dessins. Si c'est un, si un scénario de théâtre et, qu et que vous euh, et que vous voulez le tourner, bah vous le tournez, enfin le, le faire au propre. Le, le faire au propre et une fois que c'est fait au propre une fois que l'oeuvre vous convient une fois que vous avez fait euh, une fois que vous avez fait euh, votre une fois que vous avez visualisé après avoir visualisé vous avez listé les personnages vous avez fait un plan d'histoire vous avez écrit l'histoire vous vous êtes relu vous avez modifié l'histoire et vous l'avez réécrit au propre partagez-la n'ayez pas peur parce que en vérité en vérité euh, c'était la réflexion que, que je m'étais faite euh, c'est Gadel qui m'avait entraîné. J'ai regardé un sketch de lui euh, sans, ta sans tambour où il dit la vie d'artiste, c'est-à-dire euh, ouais, voyager de ville en ville pour faire des sketchs et tout. Euh, pour moi, en fait, en vérité, même si c'est un artiste, hein, je trouve pas que c'est ça la, la vie d'artiste. Ça, c'est la vie des artistes à succès. Hein, la vie n'importe qui peut. En fait, tout le monde est un artiste, au fond. Il y a un artiste qui sommeille en chaque personne. Tout le monde peut avoir envie d'écrire une chanson, de faire un scénario, euh, de dessiner, de faire un truc. Tout le monde est un artiste potentiel. Et la vie d'artiste, c'est tout simplement les gens qui vont se concentrer sur leurs œuvres. C'est ça, la vie d'artiste. La vie d'artiste, c'est écrire le livre. C'est pas euh, faire les rendez-vous et, et de dédicacer tous les livres. Ça, c'est quant à le succès. Je veux dire, il euh, y, y a même des personnes qui, qui ont ce genre de vie-là, mais c'est pas des artistes. Je veux dire, un scientifique euh, euh, qui, a, qui a fait une nouvelle théorie, euh, qui a convaincu tout le monde, euh, il va faire euh, plein de conférences. Euh, c'est pas la vie de scientifique. Je suis désolé. La vie d'artiste, ça ne se résume pas à avoir du succès. Et ça, c'est un peu ce qu'on nous essaie de nous vendre. C'est-à-dire, euh, voilà, un artiste, c'est quelqu'un qui a... C'est con à dire, mais si l'artiste commence, il est pauvre. Il a, il a, il, ses chansons, il ne les a pas écrites avec euh, une BMW d Enfin, avec euh, une Maybach derrière lui et, et quatre mecs euh, armés armé de kalash. Ou euh, avec des danseurs euh, qui dansent à chaque fois qu'ils chantent. Non, non, au début, il a écrit sa chanson, il était dans son quotidien. Il a écrit sa chanson, il l'a enregistrée, il l'a partagée, il a eu du succès. Et ensuite, il a fait le, le, le clip à gros budget euh, et les tournées. Mais euh, ça, c'est la vie d'artiste à succès. La vie d'artiste, c'est se concentrer sur une œuvre, créer l'œuvre, la partager. Ça, c'est la vie d'artiste. Voilà. Sur ce, c'était Riger. Alors, euh, je suis un peu content de cette vidéo. Je l'ai un peu retardée bah, parce que du coup, euh, j'avais peur de mal aborder le sujet. Donc, je veux bien concevoir que potentiellement, cette vidéo n'a pas aidé quelqu'un à à écrire son histoire parce que du coup euh, c'est vrai que ça soulève une question euh, comment on fait pour avoir des, euh, des idées en fait comment on fait euh, tout simplement voilà comment on fait pour avoir une bonne idée bah euh, c'est je sais plus qui disait ça mais c'est euh, c'était à l'époque c'était à l'époque euh, quand j'avais une team pour euh, commencer le manga je leur disais qu'il n'y a aucune mauvaise idée c'est juste comment c'est juste comment l'exploiter qui peut être une bonne idée euh, qui, qui en fait une mauvaise ou une bonne idée c'est à dire que par exemple as un personnage qui a un katana et euh, tu exploites mal son katana bah c'est c'est le fait qu'il ait un katana c'est une mauvaise idée par contre si tu exploites bien son katana et que tu crées une histoire derrière et tout que dans ce katana là sommeille le pouvoir de 14 samouraïs qui se sont entretués pour essayer de posséder ce katana mystique c'est enfin, là, là, de la pure impro hein, c'est pas une histoire hein. euh, bref de bref il euh, n'y a pas vraiment de mauvaise idée, c'est vraiment comment vous l'exploitez. Même si tu as envie de. de... C'est con à dire, mais les, les mangas nous, nous le prouvent un peu. Le, la Japan Animation, même de manière générale, nous le prouve un peu. Il y a des animes un peu sur tout. Il y a des animes sur le sport. Il y a des animes sur euh, euh, les voitures initiales D. C'est à ça que je pensais. Il euh, y, a, y a des, euh, y a des euh, tranches de vie. Il y a des euh, school life. Il enfin, y a plein de, 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 de types d'œuvres différentes. Dans le sens où ça fait que du coup, euh, n'importe. Euh, c'est la preuve que tout. Les idées se valent en vérité. Alors certes, après pour faire le manga à succès, il faut peut-être faire un, un Naruto, un One Piece, un Dragon Ball Z, un Bleach, un Fairy Tail. Un, allez, rêve master, allez à l'ancienne. Un Hunter X Hunter, un Yu Yu Hakusho, peut-être qu'il faut euh, s'inspirer de ces œuvres-là, qui mettent en scène un personnage et ses alliés qui vont affronter plein de méchants différents. Et donc du coup, il faut imaginer plein de pouvoirs et compagnie. Peut-être que oui, peut-être que si tu t'inspires tu de ces œuvres-là, tu vas pouvoir faire un autre un autre Naruto, un autre One Piece, un autre Dragon Ball Z, un autre Bleach c'est vrai ça mais en soi euh, je pense qu'il faut surtout se garder par rapport à, à soi même dans quelle histoire est ce qu'on veut partager si on n'a pas envie de faire un manga générique parce que en, en vérité nous on veut faire un manga un peu plus sérieux sur euh, je sais pas moi sur euh, la, la, la vie de quelqu'un de quotidien le, le quotidien d'un vendeur j'en sais rien <laughs> c'était un vieux projet avec mon oncle on voulait faire un shonen sur euh, sur le, le vendeur ultime en fait euh, en s'inspirant du fait que la japan animation ça a toujours cette tendance à extrapoler tout et du coup on a c'était au début c'était un pur délire puis l'idée est devenue un peu sérieuse mais il fallait l'écrire et, et j'ai eu du mal mais en gros voilà c'était le vendeur ultime le mec que euh, genre euh, il, a, il, a, il a des techniques de vente euh, euh, extra extraordinaire inspiré de mon livre de vente parce qu'à l'époque je faisais des je, je suivais des cours de vente mais j'ai séché plein de trucs bref on s'en fout et euh, du coup, par exemple, euh, une étude de marché ultime, c'est-à-dire le, le mec que se déguise comme un ninja pour aller faire une étude de marché euh, sur les prix des produits de la FNAC, tu vois. Genre on, a, on avait vraiment pas mal poussé le délire. Et c'est un peu dommage, c'est un projet qui, qui s'est endormi avec le temps. Et euh, mais du coup, on peut faire une histoire sur tout. On peut la structurer de toutes les manières qu'on veut. Le monomythe, c'est le schéma qui va t'aider, je pense, à faire le plan de l'histoire mais c'est pas non plus le truc qui va te donner des idées de fou, du genre, waouh, super, et si je faisais un sage Voilà, il faut être honnête, les sages, on y en a 47 milliards, tu as toujours un, un vieux mec qui, qui avant faisait le truc, qui a appris plein de trucs et qui ensuite apprend ses trucs aux héros, voilà, c'est un peu classique, mais après, voilà, une bonne idée, en vérité, il y en a pas vraiment, est -dire, si tu veux faire un manga sur, sur des casques Marshall, tu fais un manga sur des casques Marshall, et puis c'est tout, quoi. Tu, tu En fait, du moment où l'idée te plaît, c'est une bonne idée, et ensuite, il faut juste que tu apprennes à bien l'exploiter, que tu polisses ton diamant comme il faut pour en faire un beau bijou présentable. Voilà, la vidéo va s'arrêter ici. Euh, J'ai rien de plus à dire. Il y aura peut-être d'autres suites, euh, d'autres enfin, vlogs de ce type-là, c'est-à-dire des, des, des mélanges vlogs tuto. Et, euh, et voilà, ça m'a... J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je suis assez content de moi parce que du coup, c'est un sujet que j'avais peur de maltraiter. Euh, J'ai l'impression de m'en être sorti convenablement et euh, à côté de ça bah moi de mon côté voilà je j'ai aussi un autre mini vlog un peu plus euh, ma, sur ma vie mais euh, mais du coup je, je vais essayer de réfléchir à des vlogs dans le même type c'est-à-dire prendre euh, parce que je parlais de prendre des sujets d'actualité mais parfois c'est parfois moi par exemple j'ai réfléchi à faire un vlog sur la KF console mais ce serait tellement de donner de crédit à ça ce serait tellement lui, euh, ça, ça donnerait juste du crédit à ce qu'ils font Peut-être que c'est une bonne idée, hein, peut-être que ça va mettre un gros PC intéressant à avoir pour pouvoir boucher son poulet chaud, mais j'ai tellement l'impression que c'est une blague aussi en même temps à côté que... Mais une blague, même si, même si le, le, le produit sort, voilà je le fais à la fin de cette vidéo, même si la KF Console sort, j'aurais tellement l'impression que c'est une blague, que c'est des mecs qui savaient pas quoi faire des bénéfices, qui se sont dit mais mec, j'ai l'idée de me loco frère, Et si on faisait une console... Qui garde au chaud ton poulet? <laughs> La vérité, c'est une blague, quoi. C'est une blague qui va, qui, va coûter, qui va coûter cher aux gens. Et euh, mais après, ça peut avoir sa, sa praticité. Si on veut mettre l'argent dans un PC gamer et qu'on se dit, bah, tiens, quitte à avoir un PC gamer, autant avoir celui qui va garder au chaud ma bouffe. Voilà, ça peut avoir son utilité. Tout peut avoir son utilité. Il n'y a pas de mauvaises idées. Il n'y a que des bonnes et des mauvaises exploitations. Voilà, voilà. Euh, et du coup, euh, et du coup, voilà, c'est la fin de ce vlog. Je suis en train de m'étaler, et c'est la preuve que c'est un vlog et que c'est pas un tuto. J'espère que ça vous aura aidé. Si euh, voilà, vous étiez perdu, euh, si vous étiez perdu dans euh, voilà comment construire son histoire. Euh. Et tout, euh, comment structurer et construire son histoire. Voilà. J'espère que ça vous aura un tant soit peu aidé. Et ce, le message final que je veux vraiment apporter, c'est pour ça que je suis en train d'étaler, c'est que n'ayez pas peur en, de mettre sur papier vos idées, même si vous pensez que c'est une idée nulle, la quête de la carotte ultime du petit lapin qui veut affronter le géant. Écrivez la c'est écrivez là. Faut, faut, faut pas avoir peur. Il veut dire il y a tellement de temps en temps de, de bouse euh, et de merde qui passent à la télé ou, ou, ou qui arrivent à sortir en cinéma. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, à votre tour, euh, de faire quelque chose, et même si le résultat il n'est pas tip top, de, au moins vous l'avez fait, voilà, au moins vous l'avez fait. Voilà, vous l'avez concrétisé, parce que le plus important, c'est pas d'avoir une idée de projet, le plus important, c'est de concrétiser son projet. Voilà. Sur ce, c'était Ryger, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un hein, bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.